she knows they fool. I Ouais, salut à tous, bienvenue. Alors, ok, non, ok, c'est bon, je comprends mes scènes. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau live. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va faire du Dragon Ball Budokai avec ce magnifique son, le son de la PlayStation 2. Mon Dieu. Oh, c'est ouf. C'est Dragon Ball Budokai, donc un jeu de Play 2 qui est sorti il y a fort longtemps. Je ne saurais pas vous dire quand d'ailleurs, hein, mais on va tester comme ça parce que je me suis un petit truc, c'est pas très grave au pire. 3, 2, 1, on y va. Donc on y joue à la manette, on va faire un let's play, donc ça va remplacer, ça va être avec Pokémon le samedi et Dragon Ball le mercredi. Et on va en faire plein, on va pas faire que celui-là parce que c'est des jeux pendant c'est assez court, donc on va en faire plein. Je ferme ma gueule, il va avoir une cinématique et je vous dis que les cinématiques dans ce jeu, elles sont pas piquées dès le temps. On ferme notre gueule. On ferme sa gueule. Voilà. Parce que c'est cool. Et non, ça a pas marché. Non. Voilà. Pas très grave, alors on va faire ça. C'est pas bon. L'émulateur a un peu de mal, c'est pas très grave. Oula. J'ai coupé un petit truc, c'est pas grave. Je peux comprendre pourquoi il... Je crois savoir pourquoi il bugue. Ha! Super Saiyajin! C'est un trou. Ah! Bienvenue dans Dragon Ball Z Budokai! Donc je vous rappelle que on va faire un grand let's play. Il va s'étaler sur plusieurs jeux. Alors oui. Donc je joue à la manette, hein, voilà, je le répète. Donc on va faire un grand let's play qui va s'étaler sur plusieurs jeux. Donc celui-là, donc oui, il y a déjà une partie parce que je me suis entraîné un poil pour éviter d'être vraiment exécrable. Ah, attends, c'est pas très grave. Donc du coup, nouvelle partie. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est complètement sous-titré en français, donc c'est assez simple à comprendre, même si c'est en japonais. Enfin, voilà, donc on a la grande histoire, les champions du monde, les entraînements, les options. Bref, un peu tout bordel. Option. Ah, d'ailleurs, attends, j'avais pas vu quelles étaient les options.
Parce que j'ai besoin de voir comment on recharge son ki en fait. Que je me rappelle plus du tout. Bon, voilà. Ouais, parce qu'on est un peu, on s'est un peu laté le cul tout le temps, hein, donc. On peut le faire en difficulté normale au moins. Ouais, même si. En difficulté facile. Parce qu'on va se faire un peu laté le cul, donc on va. Au pire, on augmentera plus tard. Donc on va jouer comme. Voilà. Je me rappelle plus du tout comment on recherche son kit. C'est juste un petit kit. Bref, voilà. En gros. Salut Guichou! Bienvenue sur le stream, c'est DBX2. Non, c'est pas Dragon Ball Z Xenoverse 2, c'est Dragon Ball Z Budokai. Donc un jeu qui est sorti sur la PS2. Et pourquoi je me suis mis sur DBX2? Parce qu'il n'existe pas en jeu de base, sur Twitch. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai tout précisé dans le titre Dragon Ball Z Budokai, PS2. Voilà, vous êtes au courant. Attention à ma gueule cinématique. Cinématique au coup. 数々の戦いを勝ち抜いてきた孫悟空は息子悟飯を連れて仲間との再会を果たしていた。その頃突如宇宙から現れた異星人が衝撃の事実を伝える。 俺は貴様の兄ラディッツ。そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。孫悟空はその圧倒的な力の前に倒れ、息子悟飯を連れ去られてしまうのであった。謎の異星人戦士来襲。 J'ai baissé parce que j'ai l'impression que mon micro part un poil en couille. Pas le retour du stream, donc c'est un peu relou. Ftari de kita to yuwake ka. Ichiyo kiite yaru ga kisama ra. Koko ni nani shi ni kita. Atte taro. Ora no ko torikeshi ni kisan da. Omae ra gotoki de ore ni kateru to omotteru. のほど知らずとはこのことだ。勝負ってのはただ強か一丁じゃねえさ。ああ、マジで別にプレイ行こう。いや、作戦があった。こうまで間抜けとはな。ならばいいことを教えてやる。俺の他に生き残った最悪人、さらに戦闘力が上なんだぞ。見えたな。とてもやるしかねえ。俺が助ける。 Je suis désolé pour le micro pourri, hein. Donc les gars, juste attendez deux secondes. Je vais m'entendre en double, juste pour savoir si tu veux. On va faire. Bon, vous dites si au niveau du son ça m'a l'air bon, ça m'a l'air très bien. Ah, normalement c'est bon. Je sais pas. Aucune idée, je peux vous avouer là pour le coup. Que l'on me le dise, que l'on me le dise. Je n'ai pas de retour là. Je n'ai pas de retour. Tous les bugs du début du stream, hein, c'est normal. Voilà, là normalement c'est réglé au niveau de. Déjà, moi on est censé bien m'entendre. Bah, on teste un petit coup. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, là normalement c'est réglé au niveau de. Déjà, moi on est censé bien m'entendre. Voilà, bonjour, bonjour. Bon, oui, voilà, ok, ça bug pas. Oh, parfait. On va laisser comme ça alors.
Et on y va comme ça. Donc 3, 2, 1, donc c'est parti. Donc on a le kick, la vague de Kiko, le punch, le déplacement du perso, la garde. Et pour l'instant, on a que ces deux techniques là. Donc le Kamehameha et l'autre. Le point du Zenmaku. Et là, ça s'appuie plus un, au plus de combat de Kiko. Parce que mon Raditz, on va pas dire que c'est un adversaire le plus puissant. Voilà, alors, à savoir qu'au niveau des coups, ça se passe pas comme dans DBX. Ah putain. Au niveau des coups, ça se passe pas comme dans DBX. Merde. Ah, je me fais la tête dessus. Ah! Ah putain! Ah bah j'ai complètement foiré, j'ai voulu mettre un Kamehameha pour finir, mais ça a pas marché. Donc Kamehameha c'est 1, droite, 1, hop. つかんだぞ。くろ、今だ。かかろ。貴様たった一人の兄を殺す気か。うるせえ。おめえみてえなひでやつは兄貴じゃねえ。わかった。この星から引き上げる。心を入れ替えた。騙されるなよ、孫悟空。手任せを言ってるだけだ。頼む。助けてくれ。 Bah vous voyez que mon œil est rouge, je sais pas pourquoi, ça me fatigue d'où. C'est un peu relou. Voilà. Ah, alors. Ah lui c'est un peu un connard. C'est relou l'œil, attendez. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, ça retrace l'histoire de Dragon Ball Z, hein. Enfin, de la partie Z de Dragon Ball. La force de Gohan. Regarde, quand il était gosse, hein, c'est craqué. Bonne peu de faire, on en fait un peu une merde, là, ça va aller rendu. C'était cheaté, hein, Gohan, à l'époque. Raditz, beaucoup, il s'est fait latter le cul, quoi. Donc là, ce que je dois faire, pour être frappé par le Madoka Kozenpo de Piccolo, reste au centre de l'écran. Où je dois être stick analogique droite ou gauche dans la direction où je dois aller. Ça, très bien. Voilà, donc là, si vous voyez pas ce que je fais, je suis en train de tourner la manette. Ah bâtard, il m'a niqué! J'ai foiré! Trois à droite gauche. Trois à droite. Non, 3 gauche, putain. Ah, t'es relou. Bouge pas, rate. Je vais des petits à coups, en fait. On est bon là, on est bon là, on est bon là, on est bon là. Mais non, j'étais dessus. Putain. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Quoi ? Ce vol ! On va y arriver. Je vous le dis, hein, il faut le passer de toute façon. En fait, je vous montrerai un peu les autres fonctionnalités qu'il y a dans le jeu parce qu'il y a quand même beaucoup. Des trucs cool, hein, vraiment.
comme des pentéchides. Non, mais mec, c'est bon au bout d'un moment. Hein. Le mec qui bug sur le Oui, on a réussi. Yes. Écoutez, voilà. Voilà comment se débarrasse d'un putain de Saiya, dude. Il va. Donc voilà, bon, c'est l'histoire par Dragon Ball Z, hein, vous connaissez. Donc Raditz se fait tuer, Goku aussi. J'aimerais juste dire pourquoi j'ai décidé de faire ce jeu-là. C'est un peu parce que c'était un jeu que j'avais sur PS2 qui fait. Son devoir était de tuer tout le monde sur cette planète, que fait plus. Bref, pourquoi j'ai décidé de faire ce jeu? Parce que c'était un jeu que j'avais sur Play 2, j'ai encore la boîte là, si je la recherche, je vais voir plus fois. Et c'était de très bons souvenirs, je l'ai re-téléchargé. Mais voilà, je l'ai re-téléchargé et du coup, ça m'a fait super plaisir de retourner dessus. Donc voilà, vous connaissez un peu le tout. Donc merci du follow, Warrick72. J'espère que ça te plaira, bienvenue à la famille. Voilà, bah après, c'est toujours sympa quoi. Il y a un moment. Une fois qu'on aura fini celui-là, on fera le 2. Et après, on verra. Je ne sais pas trop combien de temps ça va durer. Au niveau de ce jeu-là déjà, et après, on verra pour les autres. Bonjour, Gaffer. Bonjour, Décaville. Bienvenue sur le stream, bro. C'est vrai. C'était bien fait quand même pour l'époque. Je me rappelle plus quand je suis sorti. Ça doit être aux alentours de 2005, je crois, même pas, hein, c'est 2006, c'est très théorique. Un jeu fait par Infogrames d'ailleurs. Donc c'est pas mal. Merci du follow des Camille. C'est juste un jeu de combat ou c'est un jeu d'aventure? C'est juste un jeu de combat. Pour celui-là, après il me semble pour le 2, à la fin de celui-là. Ça sera. Il me semble que c'est un part en jeu d'ordure, mais pour l'instant celui-là c'est juste un petit jeu de combat tranquille. Donc là on va devoir Piccolo die. Piccolo. Ah, j'en ai des frissons, j'adore ce jeu là. Il fait trop bien. Ah là, c'est le mec maintenant. Donc encore merci Piccolo. Bienvenue dans la famille. Même Chaozu. Pardon, mais j'en ai. Bon, donc voilà. Alors, on continue le combat. Cette fois, on a débloqué le Kaioken. Grâce à l'entraînement du Kaio. Sinon, on a toujours la même technique. Donc, le Kamehameha, le Poisangu. Et donc voilà. Donc, cette fois, on va enculer Nappa. Comme on n'a jamais violé quelqu'un. C'est parti. Right. Juste, j'arrive juste pas à recharger mon ki, c'est encore ça le problème. Ah, de toute façon, c'est toute ma vie. Ah bon, t'as tout compris, mec. Ah, attends. Kaioken. Le gameplay avec Goku est cool, mais après je vous montrerai un peu d'autres gameplays parce qu'il y a plein d'autres qui m'intéressent un peu.
Viens, allez. Ah, il a pas mouillé. Comment on dit un adversaire? Il est pas beau ce jeu. Il est vieux ce jeu surtout. C'est très propre pour l'époque. Très très propre pour l'époque. Hein. Jeu PS2 les gars. Ah, le jeu est assez fort par rapport à ta voix. D'accord, attends. Merci de l'info. Voilà, merci. Merci de l'info des camions. C'était rect. Donc voilà, donc la mort de Nappa. Quelque chose qui arrive aussi dans la série. Hein. Donc là, on débloque Nappa pour les championnats du monde. Que je vous montrerai après. J'attends qu'il y ait au moins l'arc Saiyan. Après, je monte les championnats du monde. Et après, on va sur l'arc Freezer. Parce que c'est plus compliqué. Est-ce que on peut prendre un service et juste aller voir. Oh, voilà, je suis un carrier d'élite honorable. Alors, aussi, j'explique. Bon, si vous voyez la CGN Family parler dans le chat, c'est pas moi qui parle. Parce que sur la chaîne, on est 4 et donc du coup, c'est un peu les deux. Je comprends pas pourquoi il y a deux personnes sur la même compte. Parce qu'en fait, genre, on est. C'est une sorte de chaîne communautaire en gros, c'est pas. Donc, on est 4 streamers dessus. Moi, je suis un des 4, donc c'est Dark Halo. J'ai oublié de mettre le titre, le nom dans le truc, mais c'est pas grave. Et donc, les autres sont sur le même compte. Mais voilà. Donc, t'affole pas des Camille, c'est normal. Et est-ce que quelqu'un peut aller regarder sur internet comment on recherche le ki? Non mais parce que pour de vrai c'est une vraie question. Je ne sais pas faire. Donc on va se faire défoncer si on recherche le ki. J'ai cherché, hein, j'ai spammé ma manette et j'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un a la petite astuce, ça serait sympa. Yorokobu ga ii. Kisama no yona kakyu senshi ga chou elite ni asonde moraeru nda kara. どうかな。落ちこぼれだって努力すりゃエリートを超えることがあっかもな。クリアテヘルプテ。あ？ラトルキャフェラベアブ。では、努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。まあ、パー、いや、でも、problème、いや、なんで、ラトルキャフェラベアブ。あ、même truc de dans que dans la série、en mode、あ。Ok, le Game Boy on a toujours la même technique, après, on a rien appris au temps. Et là, on commence à rentrer un peu dans les choses. Moi, je veux savoir comment regarder. Puis alors, on va combattre si quelqu'un pouvait me répondre. Vers la gauche, il est mis à droite et fait l'entraînement. Poser ce genre de questions. Mais j'ai fait l'entraînement, mais j'ai pas trouvé. Tac! On en fout, ah merde! Ah, culé! Il m'a défoncé! Viens, il m'a défoncé! Là. Ok, ça a marché, je crois! Ça a pas trop marché en fait! J'essaie de relever plus le stick. Donne 2. Ça a pas trop marché en vrai. J'arrive pas à recharger. Après on va avoir vite fait un entraînement pour essayer de train à recharger le stick. Parce que sinon ça va être un gros problème. Vous allez voir que Speeder tout à l'heure, c'est... j'ai fait vite fait la campagne. Hein. J'ai pas vu, j'ai juste fait les combats. Et quand Speeder tout à l'heure, c'est un peu le bordel. Si donc on verra juste après l'arc Saiyan, je répète. Kakaroto ! Tellement bon. Comme dans la série, putain! Donc voilà, là, il se transforme en saint géant. Nous, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Goku ne s'est pas transformé depuis qu'il y a plus sa queue. Voilà.
le type donne 2 vers la gauche, il est mis à droite. C'est l'entraînement. À gauche, il est mis à droite. Nagarodo, tu es fini. C'est un peu chaud contre ça, bien. あの地点部と地球の元気だもん。ドラゴン、ゲダマ。海王様との修行で得ました元気玉を準備する孫悟空であった。そう、正解だ。ゴムの、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 ゴ
思うときはぶっちぎりのパワーでちょいちょいとやっつけてくれよ。すまねえクリリン。Et voilà! Donc on a terminé l'arc Taïan. ドラゴンボールは私のものです。次回ドラゴンボール Z いざナメック星へ。みんな待っててくれよな。La voix de Freezer, putain, elle est trop bien. Alors, quitter le mode histoire et revenir au menu principal, donc oui. Donc on va juste mettre une pause 2 secondes pour essayer de comprendre comment on recharge son ki. C'est pas classe, putain. Ça c'est feu. C'est le... Oh mon dieu. Ouais, tata. Voilà, continuez, hein. Alors, on va juste comprendre comment on recharge le ki dans vite fait 2 secondes dans l'entraînement. On va essayer 2-3 trucs, si on n'y arrive pas, bon, on fera 100. Mais bon, du coup, on va essayer quand même de le... On va travailler quand même de y arriver, donc on va prendre un perso au pif, hein, je sais pas, on va se faire un de 2-3. Voilà, donc on va prendre genre Vegeta. Je sais pas pourquoi j'ai déjà Guilly et tout. Vegeta contre Krillin, bon voilà, bref. C'est un entraînement, on s'en fout. Voilà. Alors, montre-moi comment on fait. Donc, B, le stick, plus le stick, donc comme ça, tac. C'est ce que je comprends, hein. B plus le stick, les gars, si je comprends bien, comme ça. Là, 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 ça marche pas. Ah, je ne sais pas. Aucune idée. On a essayé, hein, vu plus le stick, ça marche pas bien. Donc alors, bon, ça, c'est grave. Alors, je voulais vous montrer les championnats du monde. Je crois que la chance ne m'a pas pris la bonne sauvegarde, je crois. C'est un peu con si c'est pas. Oh, dis-moi pas que ça va pris l'autre sauvegarde, la nouvelle là. Ah, il y a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas la bonne. Bon, dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. Soit est-ce que je vous montre les championnats du monde ou on continue l'histoire? Parce que championnat du monde, c'est cool aussi. Et là on rentre dans une phase un peu de l'histoire qui est un peu nulle. Donc dis quoi ce que vous voulez. Moi je propose... Moi je propose du coup les gars qu'on fasse un petit peu d'entraînement. Ça me paraît mieux, j'ai juste désactivé les notifications. C'est vrai que j'ai oublié de le faire. Voilà. Bah on va faire ça, on va juste en faire un petit, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble, c'est sympa. Au moins, c'était une des grandes portes du jeu à l'époque, vachement cool, ils n'ont jamais remis ça. Enfin, de ce que je sache, du moins ils n'ont jamais remis les championnats du monde comme ça en fait dans les jeux qu'il y a eu après. Bon, on joue Ricom, je sais pas pourquoi j'ai pris Ricom, mais voilà. Bon, sachez que généralement je le fais toujours enculé, hein, mais. On va quand même essayer de faire. Ricom, c'est une chute. Yo-yo, il est ce que. Ah. Yo-yo, il est ce que. Juste pour try, hein. Pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Que c'était quand même, et comme je dis, c'était une des grandes forces des jeux. On va essayer de se faire verter. Alors oui, parce qu'on peut se faire verter du ring.
champion. Erreur de jeu. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas de... Il a... C'est pas comme dans le début. Il a pas de... Il a pas de... C'est un problème. C'est pas beaucoup de tout. Je sais pas comment tu m'as prendre dans ce tour. Oh putain, il s'est transformé en Saiyan. Non. Voilà comment on est fort. Merde hein. Oh. Bon, ça rigole comme après hein. Niveau gueule, c'est sûr qu'il y a mieux. Bon, on est contre Goku. Là, voilà, et ça, vous sachez qu'on pouvait le faire avec plus avec des potes Et on pouvait juste 4-4 là-dessus hein. Et vous imaginez que genre quand les 4 faisaient le combat, après ça faisait tac, après ça faisait. Et c'était trop bien. C'était un des grands atouts du jeu parce que il n'y avait pas qu'on fout de jeu dans la même game que le Delta, Oh putain, non, ouah, mais c'est trop mal quand tu es en téléphone. Non, aïe. Ah bâtard, il a compris. Rico. Je sais que je me faisais direct hein, sinon. Si je le sortais pas, je perdais. Bah, je suis là, moi. C'est un petit peu la technique de pute hein, mais c'est bon, c'est pas grave, ça passe. On s'en fout. Après on va continuer un peu plus tard. C'était juste pas là. Son Gohan Senshu. Yoi wa ii desu ka? Rico est un peu naze hein, dans le jeu. Ouais, ça je n'ai pas censé. Bon là maintenant ça va être devenir compliqué. Là on va se battre contre quelqu'un de... Là on va se battre contre quelque chose de compliqué. Merde. Voilà. Alors pourquoi? Alors il faut savoir que dans le jeu les petits ont tout l'avantage parce que ils passent en dessous de la plupart des attaques. Voilà, les gens, ils passent. Ah, il me saoule. Ah, il passe vraiment en dessous de la plupart des attaques en fait. C'est un grand problème. Sachez que. Oh non, c'est clair. Hein. Ah, il a dit. Oui. Faut que tu restes encore. Bref, voilà. Vous avez compris un petit peu les championnats du monde et quoi ça ressemblait. Peut-être on en refera un peu à la fin. On verra tranquillement. Si on finit le jeu avant, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a l'arc teaser et après, bon voilà. Je me rappelle plus de ce que je voulais dire. Si, il y a l'arc teaser et l'arc tel. Donc voilà, et après, il me semble qu'il n'y a pas l'arc Majin Buu. Donc ça va être assez rapide à faire. Donc bref, voilà. On repart dans l'histoire. Je repars sur moi, et on continue tranquillement la suite. Kamino nokoshita uchiusen wo te ni ire. Dragon Ball ga aru toyu kami no bosei. Namekusei e to habitatsu no de atta. C'est une peine de vaisseau de dieu hein. Comme dans le manga en fait. Uji Namekusei e tadori tsuita Bulma tachi de atta ga. Saiyajin no uchiusen da. Arrivé de Vegeta sur Namek. Et du coup là on part avec le pont Namek en prenant le vaisseau
fait par le père de Bulma. Iza, Namek Seiye. Voilà, si vous entendez un bruit derrière, c'est normal, c'est un avion qui décolle, j'habite à côté d'un aéroport. C'est un peu la merde quand ça fait ça, c'est pas très grave. Namek Seiye Tsukumadeni. あのベジータっていうやつを超えなきゃなんねっちゅうな、えびことだ。まずは基本から、徹底的に聞き直さねえとな。Donc j'entraîne dur. Et donc du coup, on va commencer par les bases. Donc, donc là, il va juste falloir appuyer sur A pour envoyer un peu l'équipo. Végéta, il va m'en envoyer plein dans la tronche. Tout A. Et ouais, voilà. Voilà ce que je dois faire. C'est là. A. Ça va pas marcher, hein, tant pis. Ah ouais. Par rapport à pour régène le qui hein. Si quelqu'un peut aller m'envoyer les commandes sur le chat, ça me ferait plaisir. Parce que sinon, on va vraiment galérer. ナメクセについてもそいつだけには絶対に手を出すんじゃないぞ。わかったか。フリーザ、やつだけにはな。たとえ手を出さねにしたって強くなって損はねえさ。あ、putain, c'est vrai qu'il est chiant lui.Un rafale en appuyant sur PK en même temps pour tromper l'attaque de Vegeta. Frappe et frappe, tourne et tourne. Oui, il va falloir que je spam en même temps que je roule. Et en gros, là, ce qu'il nous demande, le jeu, c'est de spammer le panier. Parce que là, je l'ai défoncé.Alors ça, je trouve ça vachement cool quand même qu'on fait dans le jeu. Parce qu'il me semble pas qu'ils l'ont refait après. Là, mais j'ai réussi dans le combat. Ouais, je sais provoquer, hein, mais c'est pas... Ouais, je suis logique. Je sais provoquer, mais je sais pas... C'est pas grave. Voilà, bref, c'est l'enchaînement. Voilà, là, ça a été clairement ajouté pour le jeu, parce qu'il semble pas qu'il se passe ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais il semble pas qu'il y a aucun moment qu'il y a un enchaînement qui fait ça. Pas comme ça. Je la freeze. Allô ? Émulateur ! Dis-moi pas que ça ! Non ! Ne fais pas ce coup-là, émulateur ! Le jeu a fermé ! Putain ! Émulateur a craché ! Ça me l'a jamais fait, ça. C'est con. Non, il a crash, l'ému. Bon. Regarde, j'ai vite fait ça, c'est pas très grave. Oula, l'ordi complet, il est en train de péter un plomb. On lance ça à côté.
Pourtant, il n'y a pas de raison hein, qu'il crash là. Du coup, on va redémarrer l'émulateur, c'est pas très grave. Alors, PCX2. Système. Démarrer. On remet. On va repartir, c'est pas très grave. Bon, là, du coup, on va devoir refaire l'échange du ki avec Vegeta, c'est pas très grave. Espérons que ça va sauvegarder tout quand même avant. C'est bizarre que ça crache jamais. Il a jamais crash. Attends, je l'ai essayé en solo. Hein. Je l'ai spammé en solo le jeu. On va pas vite passer l'intro alors. Voilà, tac, 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 tac. On a rush un petit peu l'introduction. Ah, elle est cool, hein, mais. On la rush, c'est pas grave. Allez, on y va. Bon, le jeu, t'as compris? Parfait, il a compris. On va devoir spammer les signes. On va passer vite fait ça. On va repartir dans le. Ah oui, carrément, ça m'a. Yatta! Yatta là, Goku! On a sauté, alors. Ça m'a remis sur une ancienne sauvegarde. Donc, c'est dommage. Je suis désolé. Donc c'est pas grave, on va continuer là. On va continuer à partir d'ici, je pense. Ça va. Voilà, là, alors. Espérons que ça soit fini ici, merci. Donc voilà, alors j'ai essayé de vider ce qui s'est passé. Alors, jusqu'à maintenant, on s'est jusqu'à la battue pour. Donc voilà, donc on est arrivé sur la planète Namek. Ce qui s'est passé, ce qu'on a loupé parce que à cause du bug, du coup ça a repris mon ancienne sauvegarde et je m'en ai arrêté là. Bref, c'est pas très grave, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est juste la phase Ginyu. Donc on s'est battu contre Tricom, on s'est battu contre Ginyu deux fois, et là on arrive contre Freezer. Et ça nous met directement, et je crois qu'on peut dire, on fait un combat vite fait, mais qui est très très facile. Et là, on arrive sur cette scène-là, bon, en gros, il y a le commandant Ginyu, on arrive, Freezer tue Vegeta, il y a le commandant Ginyu qui arrive, on se bat contre eux, Goku va en régène, Vegeta se fait buter par Freezer, nous on arrive, un combat s'ensuit, et là, Piccolo, il se fait défoncer, Krillin se fait défoncer, donc c'est l'explosion maintenant comme vous l'avez vu, et on en est là. Voilà, vous savez. Et là, du coup, ça va être utile de savoir comment. C'est la première fois que j'aurais ici. Enfin, j'aurais ici. Putain, c'est pas encore oui. J'ai cru. Ah! Non! Oui!
C'est la première fois que j'y arrive. Et non, mais plus en Super Saiyajin. Super Saiyajin Sandokuda. Shizuka naru gekitou. Alors attendez, je recharge juste un truc. Alors appuie sur B et deux fois à gauche avec le stick analogique. D'accord, c'est compris. B et deux fois à gauche avec le stick analogique. Ah! Mais en fait, c'est impossible. What? Il m'a laissé à 4 points de vie! Deux fois à gauche et Tiens, on la win celle-là. C'est un peu chaud parce qu'on peut pas rester trop longtemps en Saiyan. Ah, c'est pas comme dans le... C'est pas pareil. Frieza. On avait bloqué Frieza dans le championnat du monde. Ouais.
Die. Mort. Pas mort, non. À ce moment-là, on croit qu'il est mort. Mais là, voilà, ils font Goku. Non, ne meurs pas, mais en fait, c'est Mimi. C'est tellement classe. Très très classe, hein, je trouve. Hein. Ah oui, parce que Goku tombe normalement gravement malade dans la timeline de Trunks et est censé die, il me semble. Parce que oui, normalement il est censé die de problème de cœur. Trunks là dans cette timeline là, Trunks arrive et lui donne le médicament avant qu'il meure. Donc du coup, c'est en sorte que Goku reste là. スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。生き延びていた孫悟空のことを知る青年は驚くべき事実を伝える。今から3年後、ドクターゲロという科学者が作り上げた人造人間が現れます。そして悟空さん、あなたは今から1年後に心臓病にかかり死んでしまわれる。 青年の名はトランクス。なんと、未来からやってきたブルマとベジータの息子であった。孫悟空に薬を渡し、未来に帰っていくトランクス。そして、3年の月日が流れた。 新たなる脅威。 Donc on commence la menace Cyborg. Alors ça va très très vite, hein, ce jeu. Une fois qu'on aura terminé l'histoire, on arrêtera le stream. なるほど。だがナメック星での戦いもスパイしたんか。その必要はない。ベジータたちとの戦いまでで。 貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。ほう、確かにかなりのパワーアップを果たしたようだ。だが、 Goku perd sa santé à cause de sa maladie cardiaque. Passer 19 avant que sa santé soit à 0. Donc je vais perdre petit à petit mes points de vie. Ah oui, on perd pas qu'un point en plus. Ah
Wow, wow. Lag. C'est une blague. Elle descend trop vite ma santé. What? Les créateurs ils ont dû dire oh, ça va, le passe en Saiyan, en Super Saiyan. Normalement c'est pris, et qu'ils ont raconté que des fois. Et... Ah! Et à aucun moment ils se sont dit c'est con que. C'était peut-être un peu chaud de faire descendre la santé. A aucun moment ils se sont dit que c'était peut-être compliqué. Pour des joueurs hein, juste hein. What? Mais attendez, c'est trop dur. Mais vous vous doutez pas en vrai, mais... Attendez. Que je dois éviter de tomber à 0... à 0 de suite. On perd notre transformation, c'est un peu con. Mais... En même temps, il fait trop mal. What? On se fait péter le boule. On est en train de se faire péter l'oignon. Oh, ça, ça va. Là, il parvient. Là, je parviens. Là, je parviens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as quand même pas ce truc, c'est un robot, il va pouvoir faire quelque chose. Rien de plus, là. Ah, quand même pas tout ça une seule seconde, putain. Délire, là. What? Ok, un robot peut faire quelque chose. Rigolez, rigolez. C'est bon, c'est bon. On a perdu toute notre puissance. Oui, on l'a eu. Putain de maladie de cœur. Re, je sais pas qui c'est sur le compte, j'imagine que c'est Théo. C'est la tête qui... Ouais donc lui c'est Théo. Énergie. Pour quelle raison, vas-y, dis-moi. Oh oui. C'est vrai qu'il y a Vegeta qui arrive. Kakarot o taosu no wa kono ore no yaku da. 19-3-5 en enquête. C'est tout, il ne peut pas faire des scores comme ça. Le son du jeu est bien trop fort. Ah oui. Mais voilà, mais faut le dire aussi, les gars. Voilà, là, normalement, le son du jeu est bien. Le son du jeu normalement est baissé. Et voilà. Est-ce que c'est bon au niveau du son? Oh bien, attendez, non, j'ai une idée. Ah si, c'est bon là. Ok. Ah mais là, c'est au moment où le tout puissant donne toute sa puissance à Piccolo.
Son Piccolo reçoit une puissance inimaginable pour l'époque, hein, genre là. Mais augmente le tien. Je ne peux pas augmenter le mien. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je suis déjà à fond. Je suis déjà à fond, je peux pas le faire. Attends, là, normalement, mon niveau de mon son s'est augmenté. Donc là, normalement, on est censé être bon. Ah oui, merde, non, par contre, j'ai sauté la cinématique comme un connard. Bon, c'est pas grave. En gros, Piccolo va se battre contre Cell parce que Cell est arrivé et a absorbé les cyborgs. Donc nous on arrive avant qu'il fasse de la merde. Ça c'est classe. Avec que jouer Piccolo. Jouer Piccolo dans le jeu, c'est un plaisir. Oui. Vous me dites au niveau du son si c'est bon? Je me fais rec. Je me fais rec. Bagenkima! Oh! 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 Oh bâtard! Bâtard! La tête, on va se faire rake par tout le monde avant. Avant de réussir à les tuer, on va se faire rake par tout le monde, babe. Ouais, on se refusionne avec Dieu parce qu'on avait perdu. On sent bien trop fort, hein. Bien trop fort pour moi. Il me cale direct, genre. Ça va les mecs, hein. Moi je suis dans une merde à ce jeu. Alors il faut savoir que j'ai toujours pas trouvé comment on recharge le kill. Ah merde. Merde. Baken Kima. Voilà comment on recte quelqu'un. Là on est bon.私の名はセル。貴様らやフリーザ親子の細胞を持つ未来から来た理由は何だ。人間どもの生体エキスだけではなく17号18号を吸収して完全体となることだ。17号18号は必ず手に入れてみせる。 Alors je vais expliquer, pour ceux qui connaissent pas du tout, Cell a besoin d'absorber numéro 17 et numéro 18 pour absorber donc du coup la réénergie vitale, ce qui permet de se transformer en fait. Ça devient Cell semi-perfect et Cell parfait après. Vous allez voir ça parce que ça va arriver dans l'histoire très rapidement. ピッコロたちから逃げながら人々を襲い、パワーアップしていくセル。おお、すっかり病気は治った。ほら、このままじゃとても勝てやしね。ご飯連れて修行しようと思うんだ。じゃあ、行ってくる。
それから1日が過ぎた頃。よう、孫悟空はいるか？忍び寄るセル。何も喋らなければ殺す。いいな。ふん、そう簡単にはいかんぞ。Alors j'ai un avion qui passe au-dessus de ma maison. Donc attendez. En même temps, ça me permet de regarder un peu. On a de lumière. Fusion avec Dieu. P, P, P arrière, P. Ok. Donc croix, croix, croix arrière, croix. D'accord. P, P, P arrière, P. Je kiffe jouer Piccolo en vrai. P, P, P arrière, P. P, P, P arrière, P. Bah ça marche pas. Hein. C'est juste moi. Alors c'est pas que ça marche pas, c'est moi qui suis la pénale, c'est pas grave. J'essaie de le choper. Tac, tac. Hop là, le temps. P, P, P. Voilà comment on gère. On l'a un peu rect avec la fusion avec Dieu, il est moins fort que celle. De très loin. Il est bien, bien moins fort que celle. Je baisse un peu encore mon son parce que j'ai l'impression que c'est un poil trop fort. Ah, celle est là. Maintenant on va devoir un peu se battre contre lui. Ah, ça va être un petit live, on va faire peut-être une petite heure et demie, histoire d'avoir un épisode 2 quand même. ベジータもトランクスもいるぞ。セルの気も感じるから生きてる。どうなってんだいって。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とゴハンは、セルが完全体となったことを知る。Quoique, on peut peut-être, va peut-être finir le jeu maintenant. Je sais pas. On va voir. Peut-être on s'accorde quand même les deux heures de stream. C'est bon. On finit le jeu. Parce que je crois que ça s'arrête à Cell. Alors les bugs lumineux comme ça, c'est l'émulateur, les gars. C'est un Master Satan, c'est le pire. C'est le pire. Vegeta, c'est 16. Alors Cell, il attend que Goku, bien sûr. Il y a toute la Z-Team, hein, bien sûr. Et là, ça a bugué. Magnifique l'éclairage. Trop bien l'émulateur. Il a tout compris. いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたい。あ、いつもよりベジータ bat pas dans le tournoi。bat à la fin quoi mais。いつもよりお début non。パッパッ。j'adore le gameplay de Goku aussi。le gameplay de Piccolo est cool mais le gameplay de Goku quand même bah c'est Goku quoi。
Ça, c'est du gameplay, quoi. C'est un petit peu le gameplay de base, mais en même temps, il est tellement bien. Puis après, en même temps, c'est celui qu'on débute. Aïe! Ah putain, ah putain! Je suis dans la merde! En vrai, j'espère que dans le 2, ce souci-là de. Ce souci de qui là, il est réglé aussi. Ah, il s'est transformé en sel deuxième forme! Ok, on l'a eu. Bon, ça, c'est le deuxième forme, il est gérable. Par contre, c'est une forme comme ça, là, c'est impossible de le battre, clairement. Eh oui, Goku qui abandonne dans le tournoi. Alors ça avait mis sur le cul tout le monde, hein. Tout le monde est en mode. Allô? J'ai pas compris là. ごはん。な。無茶を言うな、悟空。戦えるわけないだろう。相手は貴様でも叶わなかった世界だぞ。クロ。ごはんは俺たちの思ってる以上に信じられねえような力を持ってんだ。あいつが精神と時の部屋で解放され始める。あれ?ごはん。平和の世の中を取り消してやんだ。わかりました。やってみます。 C'est tellement la classe, Gohan! Plus fort que Goku. Gohan! Namaikina Gakida. Sukkari solo kika. Hon kamoshirenzo. Shin no kyofo shita totan. Shinu koto ni naru nda kara na. On va tellement le violer. Ah là, ce Gohan là, maintenant ce Gohan là, il est intéressant. Le Gohan avant, il pue la merde, mais lui. Là, parce que là, en fait, on commence vraiment à voir quelque chose. Là, on commence à voir un Gohan. Putain. Vite fait voir la liste des techniques. Ah, il a des techniques de base, ok. Il a la même technique que Goku. En plus Gohan, quoi. Et... C'est le même gameplay que Goku, hein. En 1007, il a l'avantage parce que dans ce jeu, je rappelle que les personnes de petite taille ont un avantage sur celles qui sont en grande. Faut savoir, hein, mais. Ah putain, il m'a défoncé. De peu, hein, mais il m'a un peu du bois, c'est pas grave. Oh bâtard. Ok. Allez, on se concentre. Tac. Allez, go. Il
J'espère que j'ai le Super Saiyan Jin Sud. Par contre, j'aime bien parce que c'est des. C'est ceux qui font les voix dans la série qui ont fait les voix dans le jeu. Du coup, ça fait que c'est ultra fidèle. Et donc, c'est cool. Oh, là, on l'a défoncé. Maintenant, ce Guan là, sachez qu'il est craqué as fuck. Voilà. Donc. C'est assez le seul perso qui reste avec ses yeux en fait. Je crois. Arrêtons ce combat, tu vois. Je peux pas me battre. Je déteste tuer. Même quelqu'un d'aussi horrible que toi. Il a la classe!僕にはわかってきたんだ。お父さんが Non, j'en ai. Je t'énerve vraiment! Oh, ça aurait pu. Donc là, on a l'apparition des Cell Junior. Guanado, il a la classe. On a Guanado et après on a Guan Merde. Non, on a Guan Ultime avant Guan Merde. Ça se finit pas comme ça normalement, mais. Là, parfait que devant cette scène, on était tous en mode WOO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 O
c'est pas ultra respecté du coup. Hop là. Profitez parce que ce Gohan là après il est plus jamais apparu dans la télé. Ça a été le personnage le plus fou, il a pas aussi il a paru dans les films après. Et ce Gohan comme ça, c'était l'un des plus fous de la série, pour pas dire le plus fou. Et après, dans, et après ils l'ont plus jamais fait revenir, ils l'ont plus jamais utilisé, je sais pas pourquoi. Oh, c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin celle-là. Super Saiyan Jintu. Ah, comment on bat des jambes. Pour pouvoir me battre. Oh! Faut savoir que celle-là, il est bon aussi. À ce moment-là, celle, c'est pas une... c'est pas une merde, hein, genre. Voilà, celle, il prend tout le monde dans cette team, il est viol, hein. Putain, ça s'est déjà très transformé. Il a fait une équipe d'avant. Oh merde. Je me fais rec. Comme la première fois, hein. J'ai l'impression que les premières fois, de toute façon, j'ai pas de chance. Oh putain! Oh putain! J'ai pas de chat sur les premières manches. Putain, mais des dégâts qu'il met ce bâtard. Il met pas des dégâts d'enculé, hein, ça va, je trouve. C'est un jeu pour les enfants à la base, les gars. Putain. Il faut savoir que je suis en très facile, hein. Pour ceux qui ont vu le début du stream, je suis en simple, hein. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Non. Allez. Ah putain. Non, oui. On l'a eu. Dis qu'on avait pas de chance qu'au début. Ah là, il se transforme en gros sel. Oh! Là, on l'a démonté. Nouvelle technique. Voir sans mélanger. Tant mieux. Je sais pas si c'est pas grave. Là il recrache ses 18. Donc ça redevient celle forme 2. Donc là c'est un problème pour lui. Kesama. Donc là il va se transformer en gros. Donc en gros sel, alors qu'est-ce que c'est le gros sel? C'est tout simplement ça. Et dans 2 minutes il explose. Il nique toute la planète. Et ça c'est un gros problème. Quand on a vu l'épisode, à ce moment-là, tous on est en mode. Hein? Allô? C'est un peu. What?
人しか地球が助かる道は思い浮かばなかった。へっ、バイバイみんな。ごめん、ここまでよくやったな、ごはん。すごかったぞ。父さん、母さんにすまねえって言ってくれ。Et là, Goku est mort. Et mais, là, s'il y a un mais, Cell est toujours en vie. Je laisse apprécier la cinématique. Donc voilà, le retour de Cell et le combat final pour la mort de Cell. Je referme ma gueule pour la cinématique. それはどうかな。今度はそううまくいくとは思えんだな。C'est reparti pour un nouveau combat. On peut faire le Super Kamehameha. Super Kamehameha. C'est K. Ok. Ah ouais, déjà. What? Putain! Mon Tega Trek! Putain! Non! Le vieux coup de poing qui m'a mis à la fin, il m'a mis un petit BOM! Ah! Cette forme ne vaut rien! Face au Super Saiyajin, tu! Putain, il m'a un peu Getrek. Il m'a encore une fois Getrek. Soupa! Ah, merde! Bouh! Putain, mais il a plus d'allonge. Non, je me suis retransformé en... Putain, merde. Non, putain. Ah. Ça va être trop chiant.
Oh putain. Mais... Allez, retransforme-toi, Gohan! Mais non, mais retransforme! Allez, ta mère! Il peut plus! Oh merde! La tête de... Ah! Ça me saoule! Putain, faut rien faire comme ça! Putain. Ah. Il y a ma connexion qui commence à bug. Je sais pas trop pourquoi. C'est revenu. C'est tellement dur, vous imaginez pas. Putain. Kamehameha. Oh, oh, oh. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais non! Transforme-toi! Ah! Je commence avec 3 barres de ki aussi. Tu vas forcément avoir pas fait ce con. Non bah... Normalement le point faible de cette forme c'est qu'il est lent. Et là il est pas. Ah oui, j'ai réussi à le remettre en selle normale. Ah c'est pas parti en super caméra là. On va le tuer. Non. Il manque pas beaucoup. Vous allez voir. Il est pas parti en super caméra. Putain, il a foiré. Et oui, il me faut le Super Saiyan 2 pour passer en super caméra. Putain. Et bon, Super Saiyan 1, je peux pas. Dash, 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 dash. Oh. Si t'as plus de morceaux d'esquive, non. Essayez de jouer safe. Tellement d'anti-jeux tu démarres. Qu'est-ce que... Putain.
tellement possible. Qu'est-ce que tu veux faire contre le Super Saiyajin Tuda? Aïe putain. Ah oui, il est retourné en scène normale. Vous savez... Ah putain. Non, fais pas le con. Oui, bien joué ça. Non, Gohan. Ah, il est en scène de base. C'est bien parce qu'on sait que même l'ordi a du mal à garder sa forme. Si tu le spam un peu... Putain, il manquait pas beaucoup. Olidri, tu casses les couilles, on s'en bat les reins avec ta sortie vidéo. Qu'est-ce que tu veux faire contre Super Saiyajin Tuda? Ah putain. J'ai pas de luck. Allez, transforme-toi. Non, Gohan. Voilà, pas le con. Oh. Attends. Non, fais mal. Survie. Putain. Bon. C'est un problème. C'est reparti. Est-ce que vous à l'écran, vous voyez juste un putain de con de se faire défoncer par celle, vous dites bon. Aïe. Vous dites c'est juste lui qui est nul. Alors que non, hein. Je suis pas dégueulasse à ce fuck. Je suis pas bon, mais je suis pas dégueulasse. Et c'est... Ah! Il met tes patates! C'est bien, super Saiyan. Putain, allez, défends-toi. Gohan, fais pas ta pute. On va pas perdre une autre fois. Ah putain, il s'est pas... Oui! Il y a plus de vie, c'est le moment! Non! Oui! On l'a eu! Alléluia! Alléluia! Putain! Ah, il a tué Trunks! C'est vrai! C'est un micro, 2 secondes, le temps que ça fasse la cinématique, j'arrive. Ah bah non, pas besoin alors. Ok, je l'éteins le micro, bah celui-là il va avoir la cinématique. Trunks. Il fait tellement get reg des états. Et là, à ce moment-là, il a fait ruine tout le truc, hein, c'est... Là, il était là, mais on se merde, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Alors oui, bon, il s'accélère un peu le truc, parce que sinon, voilà, généralement, il y a un gros combat qui sort, hein. Pas de suite, du moins, mais... Il y a un petit combat qui va, et après, ça part en fait. Bon, ça va être fou. En espérant que là il n'est pas foiré la cinématique, je m'en rappelle plus. Oh,
おめえも思いっきりカメハメハをぶちかましてやる。あ、そりゃ勝てるさ、絶対だ。だけど今の僕は片方の腕しか使えないし、木だってもう半分以下に。大丈夫、おめえなら勝てる。自分の力を信じろ。わかりました。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。C'est tellement la classe! C'est ouf! Et voilà la mort de Cell. Mais cette fois c'est la vraie mort, il revient pas. Et voilà. Ça c'est la classe. Je crois que t'es... Ah, attendez. Du coup, voilà. Mina, Goku da. Ano yo kara shabetten da kedo, chotto kiite kure. Mae ni Bulma kara iwareta koto ga an da. Kono ora ga warui yatsura o hikitsuketeru n da tte na. Kanete mitto, tashika ni so da. Ora ga inei ho ga chikyu ga heiwa da tte iu ki ga sun da.だからよ、土やご飯には悪いと思うけど、生き切らせてくんなくていいや。いつかおめえたちが死んじまったら、また会おうな。バイバイ。Et voilà, mesdames et messieurs, on a terminé Dragon Ball Z Tenkaichi Budokai 1. Donc c'est avec un énorme plaisir que je vous remercie d'avoir suivi cette aventure avec moi. La prochaine fois, donc mercredi prochain, si je ne trouve pas, on fera le 2 si j'ai le temps de télécharger. J'en profite pour annoncer que samedi il n'y aura pas de live de ma part, simplement parce que c'est mon anniversaire, donc j'ai d'autres choses à faire que de live. Mais bon, merci quand même. Donc c'est un jeu qui a duré à peu près 2 heures, hein, 2 longues heures. Alors, 2 heures, mais on a loupé quand même une ou deux missions, donc c'est pas très grave parce que grâce à cause du crash qu'il y a eu. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi, donc on va voir au moins jusqu'à la fin du générique. Main visuel Toei Animation. Développement Dreams Corporation. Ouais, c'est quand même avant toute chose Dragon Ball. C'est une histoire qui nous unit tous, pour ceux qui sont des fans de la série. C'est une très très bonne chose qu'il faut entretenir, et c'est pour ça qu'il faut suivre. Donc c'est pour ça que je fais ces let's play, c'est pour essayer de faire continuer la flamme de Dragon Ball. Il y a Dragon Ball Super qui tourne à côté. Mais la bonne époque, c'est bel et bien Dragon Ball Z. En animé, je parle. Et voilà. Alors, Dragon Ball Super est très bien. Mais c'est les bases. C'est les bases de ouf. Donc, alors, voilà, on va faire ça. Donc, la prochaine fois, on fait le 2.
Après, je pense qu'on ira sur le Tenkaichi Budokai. Là, je sais que c'est Dragon Ball Z Budokai. Après, il y a Dragon Ball Z Budokai 2. Et après, il y a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Donc, on ira voir pour faire Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Je crois. Je sais pas de conneries. C'est possible que je me foire. Mais bon, voilà. Sachez qu'on a encore de très longs let's play de Dragon Ball à faire. De très beaux jeux à voir. Alors, toujours la même histoire, bien sûr. Ça aussi. Mais toujours de très très bons jeux à voir. On a encore pas mal de choses à faire devant nous. Avec la musique de Chala. Et Chala. C'est ouf. Et voilà. On va voir s'il y a un autre truc à la fin. Enfin, ah ben non. Donc au final, le jeu est terminé. Ça nous renvoie au menu principal. Je sais pas. Ça renvoie au menu principal, en effet. Donc on va voir un peu tous les persos que ça nous propose vite fait dans le mode tournoi. Et on arrêtera là. Donc voilà, c'est un jeu court, hein. Mais alors attendez, je vais voir si on vous dit donner la date. Ah, Dragon Ball. Merde. Dragon Ball Budokai. Attendez, hein, je vais mettre ça là. Ouais, j'ai tapé comment recharger le ki. Budokai console. Oh merde, on va attendre à trouver. Budokai. Ce nom. C'est. Budokai 3, non. Le jeu est disponible depuis 2002, donc c'est un jeu de 2002, les gars. Pour un jeu de 2002, c'est franchement très très propre. Mais enfin bref, je vous remercie d'avoir suivi le live jusqu'à maintenant. Juste, on va juste partir vite, fais voir en tournoi quels sont les personnages qui viennent. Parce que c'est cool. Là, on va aller partir inviter les personnages qu'il y a. Maintenant débloquer dans le tournoi. Voir un peu combien il y avait de persos en 2002 hein, qu'on pouvait ajouter. Donc ça, c'était magnifique pour l'époque, hein, sachez-le. Hey, on en a pas tous, on les a pas tous débloqués. Hein. Warthog. Cyborg. Enfin, on a celle. Peut-être parce qu'il fallait le faire dans un autre niveau de difficulté pour les avoir eux. En tous les cas, on a déjà bien assez galéré. Ça bonne. Bon, c'est pas très grave. Donc... Non, merde, non, c'est pas ce que je veux faire. Attendez. Ça c'est là-dessus. Voilà. Donc voilà. Merci d'avoir suivi le live jusqu'à maintenant, les amis. Je vous donne rendez-vous donc du coup à mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Le live sera en rediffusion sur YouTube. Désolé pour tous les problèmes de son qu'il y a eu. Merci à tous les followers qu'on a eu aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures et pour un nouvel épisode de Dragon Ball. Enfin, un nouveau jeu de Dragon Ball. Et samedi prochain, on continuera Pokémon. Voilà. Allez, peace tout le monde et merci d'avoir été là.